Il y a deux choses que les Français et les électeurs ne supportent plus chez les hommes politiques. La première chose, c'est qu'on leur mente avec un sentiment qui est en train de monter dans le pays, de lutte contre les élites, voire de rejet des élites. L'idée que les hommes politiques seraient tous des menteurs et des gens corrompus, ça s'est ancré. Et puis il y a une deuxième idée importante quand on est un jeune élu, c'est de savoir que les Français attendent aussi de l'efficacité et de la compétence. Qu'on soit capable de leur dire la vérité, qu'on ne les brosse pas forcément dans le sens du poil, pas forcément qu'on regarde les sondages pour leur dire exactement ce qu'ils viennent de nous dire dans une enquête, mais que l'homme politique soit capable, avec courage et compétence, de leur expliquer pourquoi parfois, eh bien, la politique qu'il veut mener, elle est différente de ce qu'étaient les attentes de la population. Donc ça, ce sont les deux idées fortes, à la fois être irréprochable en termes d'attitude et parallèlement être capable de dégager une vraie compétence et un vrai courage dans la manière dont on fait de la politique.